Et y'a plein de petits potes, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo très particulière puisque déjà, comme vous le voyez je suis à 6600 les gars, et c'est mon record absolu trophée les gars. En 8 saisons, il reste actuellement 14 jours sur la fin de saison. Et regardez, j'étais à 6009 de record les gars, je l'ai battu hier les gars, donc on va se regarder des petits replays. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, et merci à tous ceux qui le feront. Donc les gars, on va regarder 5 replays. Voilà, donc déjà, je vais pas vous spoiler le score. J'ai joué contre un Arkix les gars, ce qui est un très gros hardcounter, hein, clairement. J'ai rien pour aller chercher l'Arkix et j'ai un deck très lourd. Donc du coup forcément, pour lui c'est bien puisque il a juste... Alors j'ai pas de win condition on dirait pour aller chercher l'Arkix. Je vais pas mettre un cimetière sur un Arkix pour le tuer, c'est inutile. Donc j'ai juste le PK et des squelettes, il peut beaucoup tempo. Puis voilà, donc là je pensais, là ouais, Arkix first play, il a pas le temps lui. Donc moi je mets un PK évidemment. Je l'ai raté évidemment, hein. Vous connaissez, voilà, les squelettes qui cassent les couilles. Voilà, la bûche, il y a mis de l'esprit de place, ok. Ok, donc là, Sacha, le PK qui a pas mettre de couilles, qui a envie de me troll, hein. Ok, là j'ai mis des bats, il a pré-shot avec... L'esprit de glace, ok, donc la charge qui ne touche pas la tour, ça c'est plutôt bueno. On a déjà la tour à 2500, comme vous voyez, l'Arkix. S'il connecte, j'ai perdu en fait. Donc là, je prends un cimetière parce que je pensais qu'il avait plus d'Elex, mais il a réussi à. Devant, il avait deux tanks. Je m'attendais pas parce que je pensais qu'il avait des archers, tu vois, dans son esprit de glace. Ah non, il avait même pas de troupes à gagner, genre lui contre Molos, il a perdu en fait. Bon, là, j'ai mis de bons dégâts parce qu'il a pas mis sa bûche, j'ai pas compris pourquoi. Normalement tu mets une bûche parce que là sinon s'il aurait mis une bûche je pense qu'il aurait pris 1000 dégâts de moi. Donc voilà. Des sorciers électriques qui est posé pour les défendre tout ça. Logique. Et là il repose un Arkix. Je mets un PK, il va pas le défendre avec une Tesla. Je crois qu'il est. Oui. Ouais voilà, c'est ça. Donc là. Voilà, bon. La Tesla elle meurt, ça c'est plutôt bueno. Pour essayer de contre-push, pourquoi pas, avec le sorcier, avec qui mon cimetière. Alors, les bats, ouais, voilà, tranquillement. Je les cycle, je mets cimetière, il a bien très shot, ça c'est bien. Il a une boule de feu un peu éclatée au sol. Voilà, et là je gèle, et là, il a plus de bûche, les gars. Et les bats, regardez le taf qu'elles vont faire. Les bats qui vont aller prendre cette tour en fait. Et là, je l'arrache kick là. Donc là, les gars, je vais passer la game en x4. Parce qu'il l'arrache kick la game. Et il a arrêté de jouer. Bon, moi, j'ai. Les gars, dites-vous que là, si je baisse, c'est parce que Arkix c'est un scooter. Hein. Bon, là, il savait que comme il avait perdu une tour, il arrache kick. Il avait pas de. Il avait juste une boule de feu. Donc, si que les boules de feu, bon, vous imaginez bien que c'est assez compliqué. Et bon, du coup, c'est plutôt cool. On gagne 3-0 sur un Arkix. Ça me fait extrêmement plaisir. Même s'il avait une bûche 12, on va regarder vite son profil. Bon, voilà. On va dire qu'il avait un profil qui est pas dégueulasse quoi. Hein. Sinon ça fait plaisir les gars. Et on part sur la prochaine game les gars contre Toxicity City qui joue un deck recru ballon, le deck là. Recru cochon royaux, le deck avec la cabane, le nouveau. Enfin. Voilà. Donc moi le but c'est en l'ex-x2. Donc moi si je joue pas, je ne joue pas les gars. Faut savoir ça. Donc là je mets en x4 parce que bon c'est pas très intéressant de regarder ça. Donc là il me semble que je vais partir en cimetière gel first play en tous les cas. En ICR x2 c'est tout le temps ce qu'il faut faire. J'ai l'habitude les gars, dites-vous que je connais très très bien mon deck, je sais absolument tous les matchups quasiment. Je sais quand j'ai gagné, je sais quand j'ai perdu les gars. Donc regardez, là je pars en cimetière direct. Voilà. Donc là mon but c'est de mettre un max de dégâts. Là je vais mettre un gel il me semble, mais je crois que je vais le rater. Ouais voilà, j'ai raté les recrues. Et même, il n'y avait pas assez de squelettes, j'aurais pas dû jouer. Mais bon, c'est pas grave. Vous voulez même mettre cochon, je vais juste mettre une Valky. Et là, dites-vous que c'est un petit peu la merde parce qu'il y a beaucoup d'Elex. Enfin, il y a beaucoup de monde du coup. Mais bon, ça va être défendu parfaitement. Enfin, parfaitement. On a quand même pris pas mal de dégâts. Enfin, on a pris pas beaucoup de dégâts comparé à son ami. Et bon, du coup, là, j'ai posé un PK des 4 cabanes. Que ce soit cimetière, GR ou cochon, je pose mon PK. Ou que ce soit un autre deck hein, avec un caman, je pose mon PK.
Voilà, donc là j'ai mis clic les gars en sens électrique. Dites-vous que j'ai bien mis clic en sens électrique, je vais le mettre à gauche. Mais bon, tant mieux, en vrai, c'est une erreur qui m'a fait. Du coup, c'est mieux que je fasse une erreur, genre. Parce que là mon sorcier il va carry à gauche, il va être le sorcier électrique, et ça fait plaisir. Ok. Donc là, le sorcier qui va mettre énormément de dommages, il me semble. Ouais, voilà. Regardez le sorcier, un coup, deux coups, deux coups. Il fait 380 le sorcier. 380, je vous laisse multiplier par 2. Ça fait quand même pas mal de dégâts, ça fait 760 de dégâts, donc ça fait plutôt plaisir quoi. Donc là, voilà, il boule d'œuf, ça c'était bien joué de sa part, mais là il n'a plus rien. Là il a plus rien pour défendre, il y avait de la lance électrique. Je vais mettre un gel et là, normalement, je crois que c'est. Non, c'est pas ici. Là si. Non, c'est pas ici. Pas ici, je vais mettre beaucoup de dégâts. Je vais pas vous mentir les gars d'ailleurs, je tenais à vous dire le. Pendant une semaine, je vous jure que j'ai stagné à 5k8. Et genre, je suis monté top 200 au monde les gars. Si vous me suivez pas sur Insta, allez me suivre les gars. C'est écrit en tous les cas. Et je suis monté à 6000 trophées, top 200 au monde au tout début de la saison. Genre, vraiment en un jour, j'ai fait 1000 trophées. Enfin, deux jours. Et du coup, bah. Après, j'ai des rushs de 200 trophées. Et j'ai. Ah oui, d'ailleurs, juste il a assez boule de feu là. Donc là, j'ai mon sorcier, il était trop bien. Bref, et du coup, genre, j'ai stagné pendant une semaine à 6k8. Et du coup, j'avais envie de die. Et là, je me suis dit, tiens, je vais rush. Je monte à 6k, aise. Donc ça, c'était hier. Donc hier, on était samedi 22 novembre. Et du coup, je monte à 6k, j'arrive à rush à 6k2. Et ensuite, bah, je. Hier. Enfin, du coup, genre. Enfin, ouais. Aujourd'hui, du coup. On est dimanche. Ah non, attends, je dis de la merde, attends. Je me trompe sur la date. Aujourd'hui, on est lundi 23. Donc, c'était samedi 21. Quoi, je m'embrouille là. Je m'embrouille là. Bon, bref, on a gagné la game, c'est le plus important. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait genre. Un des rushs. Genre, je suis monté à 6589. J'ai des rushs à 6200. Et ensuite je suis monté à 6598 les gars et j'ai des rushs à 6100 et j'ai réussi à remonter grâce aux gens de mon clan les gars, donc merci à tous les gens de mon clan qui m'ont soutenu d'ailleurs. Parce que je vais pas vous mentir que dès que j'avais genre 6 specs, bon dites-vous que la pression elle est on the top quoi. Bref les gars, on se retrouve pour la prochaine game. Donc là on va regarder son petit profil avant, voilà, là il a 6602 les gars, donc on est plus haut que lui. Ok, donc ça va, un petit profil les gars, et on part sur la prochaine game les gars contre Benzo di je sais pas quoi. Pour savoir, donc les gars, cimetière c'est un hard counter, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a juste à mettre des cimetières def et c'est win pour lui. Je n'ai pas de poison les gars, donc dites-vous que le cimetière, si je mets pas genre 1 milliard d'Elex, si je mets pas, en fait, pour défendre parfaitement un cimetière, faudrait que je mette sorcier électrique plus Valkyrie, donc faudrait qu'il mette un cimetière tout seul, donc s'il y a des troupes. Je pourrais pas te défendre parfaitement ce cimetière, vous allez voir. Dans tous les cas, ok, donc là il joue, en fait j'attends pas l'X2, enfin il attend pas l'X2 lui, parce que ça va être jamais moi qui vais jouer en premier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un deck lourd, j'attends toujours l'X2. Donc là, Pekka fond de map, il a posé une cabane, tranquille. Donc là, ma belle qui va déchirer le Pekka, donc dites-vous que c'est impossible pour moi, hein. Je parle vraiment que pour moi, parce que pour vous c'est peut-être possible, mais moi. Quand je joue cimetière gel, enfin ce qui est mon deck absolument principal hein, et trop bien, bah ils ont tous la, quand ils ont un poison ils ont toujours un mois de départ, donc là je mets un cimetière, il a pas poison, j'ai pas compris pourquoi. Donc là forcément je gèle et là on va mettre pas beaucoup de dégâts, enfin on va quand même de bons dégâts quand même, on a mis quand même de bons dégâts. Je vais essayer ça pour tuer le chasseur, c'est relou. Le chasseur électrique qui va mettre deux coups à gauche. Ok, donc là il va peut-être partir en contre-push. Non, il va juste mettre un pêcheur, j'ai pas compris pourquoi. Je pensais qu'il allait finir. Valkyrie, j'ai un peu raté ma Valkyrie, mais c'est pas grave, on va se prendre deux coups de pêcheur. Ou trois coups. Ouais, ok, c'est pas dramatique, on égalise les dégâts. Et là il a plus rien là. Et là je pensais, honnêtement, là je pensais qu'il était en rate d'Elex parce qu'il a juste mis un chevalier. Mais non. C'est bon. Du coup, il est en avance d'Elex de 3 sur... 2 sur moi. Ok, donc là tranquille, il va reposer cabane je pense. Et voilà. Maintenant on va reposer un PK les gars. Ici cette fois-ci, parce que sinon comme je l'ai mis un peu tard, bah du coup il aura pas eu le temps et je me serais pris deux coups de barbare les gars. Voilà le PK qui va aller gérer les barbares tranquillement.
Et là je crois que je vais partir en contre-page. Donc là je pensais à ce moment là de la game, je pensais qu'il avait un gel, ok. Donc je ne savais pas qu'il allait être poison. Et là il pue ce poison et là je me dis bah c'est win. GG c'est win mec, il a un électron sorcier là. C'est win, voilà, là je mets je gèle le chasseur, le chevalier on s'en bat un peu les couilles. Et là regardez les dégâts que je mets, c'est incroyable hein. Vraiment normalement je suis pas censé mettre autant de dégâts. Donc là je mets le sorcier électrique fond de map. Et là je mets un PK les gars pour tout bloquer au pont. Je mets ça pour que le chasseur soit one shot. Et le chuchu avec, donc là le PK qui carry les gars, regardez là, il a souvent détruit toutes les troupes avec un HP. Et là je vais Valkyrie cimetière les gars. Et dites-vous bien que là il a plus de poison, c'est impossible à défendre. C'est impossible à défendre, d'accord. Croyez-moi qu'un cimetière gèle sans poison. Si t'as pas archer, archer et je les gèle pas, c'est win en fait. Et là la Valkyrie dans le coup les gars. Et là dites-vous que j'étais à 2 games les gars. J'étais à 2 games pour la environ 4ème fois. non je dirais pas 4ème fois, je dirais plutôt 7ème fois. Voilà, donc vous regardez son petit profil aussi. Ok, donc là il a pas réussi à monter. D'ailleurs regardez le deck qu'il a et attention. Voilà, il y a un profil pas dégueulasse les gars. Un petit 39 monde en tournoi mondial. On va dire que c'est pas dégueulasse les gars. Donc là les gars je suis tombé contre un niveau 12. Dites-vous qu'à niveau 12, j'étais à 2 games des 6600 les gars. C'était hier quoi. Donc les gars là c'est du cimetière. Du cimetière boule de feu comme à l'ancienne les gars. Je sais pas si vous vous rappelez les gars, au tout début du jeu, dès que le cimetière est sorti, il n'y avait pas de cimetière poison. C'était cimetière boule de feu. Donc là, bah moi, je mets cimetière first play, les gars. Puisque cage, bah, je me suis dit, c'est peut-être pas du cimetière, c'est peut-être le nouveau géant. Et contre le nouveau géant, les gars, je suis obligé de mettre cimetière first play parce que. Bah, c'est mieux quoi, parce qu'après, c'est la merde. Non, moi, je pensais, là, j'ai été surpris, les gars, de 1 par le bourreau et de 2 par le cimetière. Donc là, j'ai mis le sorcier. De toute façon, dans tous les cas, je vais prendre un coup de gobs. C'est pas grave. Les dégâts qui sont à peu près égales. Donc là, tranquille, là j'ai mis de la Valkyrie. Donc normal, et là, il va juste fuir. Et ça va tout def, en fait. Il y a chevalier, je pense. Voilà, c'est def parfaitement. Il y a une petite avance d'Elex de 1. Ouais. Petite avance d'Elex de 1. C'est bon, c'est bueno. Je vais juste ça pour prendre un seul coup. Bon, le coup qui était un petit peu volé, j'ai pas voulu mentir, le coup qui était clairement volé là, voilà. On avait pas mal une grosse avance. Donc, du coup, on est tous les deux, enfin moi j'ai un PK les gars, donc il a. Ça c'est compliqué de gérer un PK. Donc là j'ai une petite emote parce que. Dites-vous les gars, à ce moment là j'ai genre 6 ou 7 specs, donc du coup forcément. J'aime bien qu'elle ait des petites emotes quand. Je BM pas en général les gars, dites-vous que je suis pas un joueur qui BM. Juste bah dès que j'ai des specs de son sang je mets des emotes. Les seuls dès que je BM c'est quand il a un counter. Et encore pas tout le temps parce que quand il a cimetière, cimetière poison, je BM pas. Donc là il avait plus trop d'Elex. Il a juste mis un fuit un petit peu tard mais bon juste pour vite fait quoi. Là c'est le cas, je sais absolument pas ce qu'il a fait, je pense qu'il a mis click. Et bon le gobelin qui va quasiment mourir, il va essayer de partir en contre-push il me semble. Non, ok. À moi les gars si je leak énormément, si vous voyez leak c'est parce que moi je m'en fous de leak sur. Sur mon deck parce que le but si on est tous les deux à 10 ça change rien tu vois, ça si j'ai les troupes sur le terrain je dois pas leak tu vois, mais si genre il joue pas et que j'ai une grosse avantage de deck je joue pas ça sert à rien. Voilà. Donc là il essaie de mettre toute sa daronne sauf qu'il a pas son cimetière. Il essaie d'en cycler un les gars. Mais bon ça va être trop tard puisque j'aurais déjà cyclé ma Valkyrie. Voilà. Donc la Valkyrie qui va bien défendre le cimetière. Il essaie de tout tornade, je sais pas pourquoi, j'ai pas tout compris, mais bon. Là, j'ai un petit zap pour assurer, les gars. Donc, un niveau 12, les gars, ce qui est très rare, donc c'est un très très bon joueur, techniquement. À peu près, c'est quasiment. Enfin, c'est un très bon joueur, quoi. Donc là, voilà. Mon gars, donc évidemment, le petit troll, les gars, vous connaissez le petit cimetière. Si j'ai pas BM, c'est parce qu'il était niveau 12. Il a même pas d'Arc Hunter aussi, et les gars, là, regardez, il a des rushs. Il a des rushs, les gars. Il y a des rushs, voilà. Je l'ai rencontré, bah, ce nombre de trophées, bah, je l'ai fait tilt. Voilà. Bon, petit défi, défi classique, les gars. Il a 6K, 16 de record, donc il a un trophée plus que moi en record, mais bon. Cette saison, les gars, on tentera les 7K. Et les gars, là, je vous promets que lui, là, si je le gère en électro, que je ne savais pas, que je connais pas son deck, je l'ai eu BM, mais d'une violence. S'il a fait que BM pendant la game. Donc là, je crois qu'on a tous les doigts en électro 2. Voilà, j'ai juste cyclé, mais ce. Si je mets pas les bases sur le map, c'est pour pas qu'il croit que je vais mettre un mineur et que ça joue, tu vois.
Donc là j'attends, voilà, un tournée x2, tranquille, bye bye. Ouais, donc les gars, là j'avais à peu près 9-10 specs. Donc c'est merci à tout mon clan, les gars, du soutien. Et oh, merci, je sais qu'il y a Venom, les gars, mon modo, qui m'a beaucoup regardé aussi. Voilà, donc vous voyez. Et là, regardez, là il va commencer à m'écrire des merci, etc., des bails dans le genre. Donc là, forcément, les gars, je vois le jeu électro. Game de Sika, vous connaissez. Game de Sika 6, les gars, vous connaissez. Voilà, la petite cibote là, je suis obligé, hein. Je vois ça, pour moi c'est un bon match-up, hein, Jean-Electro. Donc là je pars au cimetière, je me dis c'est bon, le PK ça va gérer. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Cimetière, un cimetière sans agel, c'est pas moi en fait. C'est pas moi qui joue sinon. Voilà, donc là la Valkyrie qui va aller tout seul prendre la tour, tranquille. Et les gars, là il a plus d'Elex. Il a plus d'Elex. Et là c'est la merde. Là c'est pas avoir d'élite. Je vais me battre. J'ai juste à avoir à temps pour le PK. Si je peux mis à Valkyrie, c'est parce que sinon elle allait se faire péter le cul. Mais vraiment d'une violence, les gars. Voyez-vous que ma Valkyrie elle fond. Il y a un placement à faire, mais faut que je l'ai dans la main, quoi. Donc là, voilà, il commence à baisser forcément. Ah, moi, 10 secondes de la fin, là, je me dis, c'est bon, je vais plus attaquer. Je vais gêner le géant électro, vous allez voir. Voilà, et là, je me dis, c'est win. Ah là, les gars, je vous jure que je me suis levé. J'ai gueulé. Enfin, peut-être pas gueulé, parce qu'il était 1h du matin, mais. Mais bon. J'étais grave content, les gars. Et voilà, donc on finit le rush, les gars, sur ça. C'est vraiment incroyable, les gars. On va juste regarder le petit profil. Voilà, il a réussi à remonter dans tous les cas avec son deck qui n'a pas de sens. D'ailleurs, j'ai absolument. J'ai quasiment tout 13 dans son deck. Il manque juste la méga 12 et la tornade 12 que je pourrais quasiment jouer sur le deck en vrai. Voilà, un profil encore pas dégueulasse, hein. Je trouve que c'est des bons profils en ce moment. Ça fait plutôt plaisir de gagner ce genre de profil, les gars. Donc, je vous montre une dernière fois. Top 2762 monde et je dois être un bail dans le genre de. 120 français ou un bail dans le genre. Attends, on va regarder ça. Ouais, voilà. 110 français, les gars. C'est incroyable. Vraiment, The King, je l'ai affronté, je l'avais éclaté. J'en ai juste vite fait en deux speed qui je connais. Ouais. Après, je sais pas tous affronter. Iggy était dans mon clan avant. Comme le conquérant, il a bien des rushs. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et ciao.